Bonjour et bienvenue sur la chaîne KNH. Dans le patch illustré intitulé « L'effet de synchro », lien dans la description et la petite fiche là-haut si j'y pense, je vous ai déjà présenté ce célèbre effet et la façon de le reproduire sous Aurorak et Visivirak. Se focalisant sur ce seul effet, la vidéo a passé sous silence d'autres utilisations de la synchronisation des VCO et LFO. Le temps est venu de compléter le tableau. Pour commencer, il faut préciser que la synchro n'a pas été ajoutée au VCO pour créer les sons typiques évoqués dans la première vidéo, comme le son du célèbre preset 32 Sync 2 du Prophet 5. Ou le son du Syntex LK de la harpe laser de Jean-Michel Jarre. Non, car il aurait été difficile d'inventer un procédé si particulier afin d'obtenir un son que personne n'avait encore entendu ni imaginé. La vérité, c'est que l'effet de synchro tel que démontré dans la précédente vidéo n'est qu'un effet de bord, une utilisation détournée découverte après coup. La motivation est ainsi à chercher ailleurs. Selon un sondage de Soon & Soon Magazine, une revue anglaise réputée, la synchro des oscillateurs est la fonction la moins bien comprise. Cela tombe bien puisque c'est le sujet du jour. Dans la première vidéo, je m'étais concentré sur l'effet de synchro typique, tel que le schéma à l'écran le montre. Tout en vous présentant la différence entre hard et soft sync, je n'en reparlerai donc pas ici et je vous renvoie à cette vidéo. Néanmoins, sachez qu'il existe en fait beaucoup de variations de la soft sync, comme la reversing sync qui retourne le dessin du cycle, généralement utilisée sur des VCO à cœur triangle, la weak sync qui utilise un seuil de déclenchement, la phase advanced sync qui fait avancer la phase de l'oscillateur esclave, la reset inhibit sync qui, selon un seuil, va figer l'esclave, ou même l'obscure overlap sync. Tous ces modes existent, mais sont, à vrai dire, assez rares sous Aurora. On notera que le clamping point du VCO 921 Moog utilise encore une autre variante, ce que nous verrons dans quelques instants. Mais à quoi cela peut-il donc servir? Au-delà de l'effet TIFPIC déjà évoqué, il existe une autre utilisation qui nous amène à la raison d'être technique de la synchro. Lorsqu'on envoie une courte impulsion, un trigger par exemple, sur l'entrée de hard sync d'un VCO, on force donc le VCO à recommencer un cycle complet au moment du top donné par le trigger de synchronisation. Et alors, un VCO ou un LFO, c'est la même chose, et beaucoup de VCO ont un switch permettant de passer d'une fonction à l'autre d'ailleurs. Seule l'étendue des fréquences change. Un LFO est donc potentiellement synchronisable. Cela est très utile dans certains patchs, comme par exemple s'assurer qu'une modulation du VCF commence toujours de la même façon pour chaque note. Regardez le double schéma à l'écran. Celui en haut à gauche est le plus simple, sans synchronisation. Quand on va jouer via le clavier ou un séquenceur, il y aura des pertes de notes et des notes partielles, car elles seront étouffées par les phases descendantes du LFO qui fermeront le VCF. Mais voici une brève démo pour comprendre cet effet de désynchronisation. Revenons au double schéma. Celui du bas à droite ajoute la synchronisation du LFO sur la get de la source CVGet, clavier ou séquenceur ou autre. Cette fois-ci, si le LFO est réglé assez lent et le générateur d'enveloppe qui contrôle le VCA est assez rapide, la modulation du VCF sera synchrone avec le jeu et ressemblera finalement à l'effet d'un enveloppe générateur. On peut d'ailleurs obtenir un effet encore plus direct en se servant du LFO synchronisé comme d'un enveloppe générateur. C'est l'option marquée « plus » pour ce qu'il faut ajouter et moins pour ce qu'il faut supprimer. Ainsi, grâce à la synchronisation, on s'assure que la dancy ou autre forme du LFO débute à chaque nouvelle note. Je vous invite à tester cela avec des formes différentes pour créer des effets de filtrage différents, en rappelant que cela s'applique à tout ce qui peut se moduler, fréquence de VCO, LFO, filtre, wave shaper, delay, reverb, etc. Mais regardons la démo. Thank you.
Bien entendu, rares sont les LFO capables de générer un seul cycle et de s'arrêter, ce que fait un générateur d'enveloppe classique. Dès lors, utiliser un LFO en mode synchronisé pour fabriquer une enveloppe produira aussi une suite de cycles après le premier. Cet effet de bord peut être étouffé par un VCA ou au contraire accentué pour créer un faux écho. C'est un tel montage que présente le schéma à l'écran en ce moment, avec un petit bonus ici aussi. Une partie optionnelle qui récupère l'enveloppe de l'EG au travers d'un atténuverteur pour moduler la fréquence du LFO. Ce n'est qu'une option, mais selon le réglage de cette option, on obtiendra une sorte d'écho qui accélère ou au contraire qui ralentit en suivant le decay de l'enveloppe. Regardons la démo. D'ailleurs, un LFO d'un seul cycle, mais qui peut aussi boucler. Cela ne vous dit rien ? Si, bien sûr, c'est une voie de mat de Rampage ou un A72-1 Topfer, ce qu'on appelle dans le monde boucla un générateur de fonctions. Comme quoi toutes les idées étaient déjà présentes il y a longtemps et qu'il existe des liens très forts entre des fonctions qu'on pourrait croire différentes.
C'est pourquoi ces fameux générateurs de fonctions sont aussi utilisés pour fabriquer des enveloppes autant que des signaux LFO, et pour certains même des signaux dans la range audio pilotable en 1 volt octave, donc des VCO, voire mes vidéos sur le Rampage par exemple. D'où le nom de générateur de fonctions, car ils servent à plusieurs choses. C'est le petit dessin affiché en ce moment. Il montre qu'avec les générateurs de fonctions, nous sommes en fait à la préhistoire des synthétiseurs. C'est ensuite qu'il y a eu spécialisation, avec d'un côté la branche des LFO mieux adaptée à cette fonction particulière, de l'autre la branche des enveloppes générateurs, eux aussi taillées pour ce job, et ensuite la branche des slew limiteurs processeurs qui est apparentée, et même les VCO qui sont par le fait des cousins pas si lointains. Mais il y a encore plus intéressant. Prenez l'entrée trigger du clamping point de l'oscillateur Moog 921, du modèle 15-35-55. La copie Behringer est très fidèle, ce qui évitera d'utiliser un véritable Moog modulaire vintage. Quel rapport avec la synchro évoquée ici ? Eh bien, c'est la même chose. Enfin, presque. Le réglage du clamping point permet de fixer manuellement le décalage de phase du VCO. Seul, cela n'a souvent guère d'intérêt, sauf en mode LFO, puisque le 921 Moog, comme le 1004 ARP du 2005, possède un switch pour fonctionner en mode LFO ou VCO. Mais si on joue sur plusieurs VCO à la fois, le clamping point prend alors tout son sens, car chaque VCO est en free running, et selon la fréquence exacte, jamais parfaite, de chacun et les petites variations si chères au monde analogique, même démarrés ensemble, ces VCO auront des phases légèrement décalées. Cela concourt au gros son analogique, entre guillemets, et justifie de mettre plusieurs VCO pour jouer une seule note, comme c'est le cas sur l'ARP 2006 ou le Minimoog où l'on trouve 3 VCO et même 4 pour le Monopoly Korg. Mais pour jouer des basses, cela peut devenir un problème plus qu'un avantage. Les faits sont en moins dans les aigus. Mais pour les basses, ça peut poser problème. Regardons le décalage de phase s'opérer selon le réglage du clamping point des 921. On notera que les VCO peuvent être réglés sur d'autres formes d'ondes, l'effet sera le même. Tout de même, les signaux carrés sont réputés s'annuler plus facilement entre eux, ce qui est parfait pour faire des expérimentations. Et donc, si on se limite à deux VCO pour l'explication, ça sera bien assez. Vous savez que deux signaux qui vont se mélanger subissent une sorte d'opération plus, c'est-à-dire que les boss positifs et les trous négatifs vont s'annuler ou s'additionner selon leurs phases respectives, comme la houle en somme, donnant des vaguelettes presque plates par endroits et plus rarement des vagues scélérates de plusieurs dizaines de mètres, et tous les entre-deux. Mais des deux effets, le pire est celui de phase cancellation, l'annulation de phase. Car un niveau trop fort ponctuellement se corrige assez facilement avec un limiteur ou un compresseur. Mais l'annulation de phase, quand il n'y a plus rien à entendre, aucun effet ne peut inventer le son qui manque. Sur les deux machines, le Minimoog par exemple et l'ARP 2006, on dispose donc de 3 VCO, et quand on les mixe ensemble, on obtient le fameux gros son analogique. Écoutons. Ce gros son analogique résulte d'une part de la puissance des VCO et de leur richesse harmonique d'autre part, mais surtout du bel effet ensemble lié tout simplement au petit décalage de fréquence et de phase.
Sur le Behringer 2006, les VCO 2 et 3 ont un mode synchro bien utile mais calé sur le VCO 1 uniquement et sans point d'entrée externe. C'est très bien pour faire le fameux son de synchro étudié dans la première vidéo, moins utile pour ce que nous recherchons à faire aujourd'hui. Quant au Mini Moog, beaucoup plus simple qu'un 2006, il ne dispose pas du mode de synchro sur ses VCO, ni de patch point de toute façon. Mais dans le monde des modulaires, il en est autrement, et ce au moins depuis le VCO 921 de Moog pour son modèle 15. Et ça ne date pas d'hier, puisque le modèle 15 a été introduit en 1973. VCO, et justement, dans la range audio, à quoi mène tout cela? Oui, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des avantages de la synchronisation lorsqu'on utilise un VCO en mode LFO, mais lorsqu'il fonctionne dans la range audio, à quoi cela peut-il servir? Le clamping point des 921 possède un bouton pour régler le décalage de phase. Si on dispose d'un scope, indispensable pour ce genre de raison, on pourra alors caler correctement les 2 et 3 VCO ou plus pour éviter l'effet d'annulation de phase. Mais le clamping point présente aussi une entrée trigger. Pourquoi? C'est là que les deux histoires se rejoignent. Ce trigger du clamping point d'un 921 ressemble de très près à l'entrée synchro d'un VCO plus moderne. À chaque impulsion, le VCO va redémarrer son cycle. Sur le 921, le bouton permettra en plus de décaler très exactement la phase, ce que n'offre à ma connaissance aucun des VCO stars de l'instant. D'où l'intérêt de posséder quelques 921 Behringer dans son rack. Comme des 1004, qu'on retrouvera dans ma série de 9 épisodes et 4 démos ou en documentaire complet de 2 heures sur la RP 2005. Ok, mais à quoi cela peut-il nous servir concrètement? Je vais laisser les VCO 921 d'un autre âge de côté pour vous le montrer sous Vici-Virac 2, afin que vous compreniez que le problème et sa solution existent aussi dans le monde numérique. Les VCO de Vici-Virac V2 ont perdu leur switch permettant d'activer le mode d'émulation analogique. C'est un peu moins pratique pour la démo, mais il suffit de les décaler à la main pour bien voir ce décalage. Est plus puissant et il n'y a plus de flottement dans les basses, elles sont plus consistantes. On tient là le secret de basses bien présentes qui tiennent sur leurs épaules avec le kick la puissance d'un morceau de techno de 30 ou 10 dBm EDM. Parler de la synchro des VCO en abordant que l'effet typique et bien connu où l'un est maître et l'autre esclave aurait été un peu court. Mais la première vidéo, pour ne pas être trop longue à produire ni trop lourde à digérer pour l'auditoire, se concentrait sur cet effet musical. Il était temps de rétablir la synchronisation dans toute sa dimension technique et en voir d'autres utilisations essentielles. J'espère que cela vous a plu. Si oui, si vous avez pris quelque chose, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Faites éventuellement un don ponctuel à la chaîne aussi, pourquoi pas. C'est là, juste sous la vidéo à droite. Et surtout, laissez des commentaires pour caresser l'algorithme dans le sens du poil. Même un simple coucou sera suffisant. Et surtout, rameutez vos amis en partageant l'adresse de cette vidéo et de la chaîne sur vos réseaux sociaux. C'est primordial. Peu importe ce que vous choisirez de faire pour aider la chaîne, je vous en remercie d'avance. A bientôt pour de nouvelles vidéos pleines de contenu et pas seulement des revues en série qui ne font que reprendre le manuel d'utilisation. Oh.